Bientôt les claquettes. Bon, avant de commencer cette vidéo, déjà on va s'excuser pour le son. Je pense que ça va pas être top parce que entre le vent qui se lève, les chiens des chasseurs qui ne font qu'aboyer, voilà, ça va être une fin de vidéo assez comique, je pense. Va falloir que je parle fort. Tout d'abord, on voulait vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On a dépassé les 4000 abonnés, donc merci à vous. Oui, un petit engouement là, ces derniers jours. Est-ce que c'est par rapport au camion? Je ne sais pas, on va continuer à découvrir tout ça. Voilà, alors on ne voudrait pas vous décevoir, mais le camion n'est pas prévu d'être aménagé en fait comme une maison, puisque notre maison est là. Donc on part bien avec la Tiny et le camion, puisque le camion sera juste, comment on peut dire ça, un local technique, voilà. On va dire. On a prévu d'y mettre la machine à laver, réservoir d'eau, peut-être réservoir d'eau grise à voir, tout le matériel qu'on doit embarquer quand on part en vadrouille, les vélos, si on veut se déplacer à vélo, panneaux solaires, batterie, voilà, et on a fait une liste, elle commence à être assez longue. Bon, faut qu'on voit ce que ça donne en termes de poids et d'aménagement, si on arrive à tout caser, parce que ça va être le plus difficile en fait. Donc ça, ça sera dans les vidéos à venir. Et là, voilà, ce qu'on voulait vous montrer dans cette vidéo, c'était un peu la taille du convoi. Donc on est sur une longueur d'environ 15 mètres, parce que le camion fait 7,50 m. La Tiny 6,60 m plus le timon, donc on est quasiment aussi à 7,50 m. Donc voilà, 15 mètres. Je pense qu'il va falloir que je rajoute quelques petites caméras à l'arrière, parce qu'il y aura des frayeurs dans certains virages. Donc voilà. D'ailleurs, faut pas dire donc voilà, parce que c'est la famille donc voilà. Et okay. La famille Epi. Epi. Non, mais du coup, on voulait vous demander si vous connaissez des petites caméras voilà, qui fonctionnent plutôt en Bluetooth. Ou en Wi-Fi peut-être, ou en Wi-Fi. Mais je n'ai pas du tout regardé, donc je ne sais pas ce qui existe. Si vous avez connaissance voilà, d'un modèle pas trop cher, où je pourrais en mettre au moins, peut-être minimum une à l'arrière, on va dire. Après, si je peux en avoir dans les angles, c'est bien, mais une, ça devrait suffire. Et sur le camion, j'en ai pas besoin, mais ça serait sur la Tiny, donc voilà, je pourrais pas avoir une liaison filaire où je pourrais l'avoir, mais ça va être un peu compliqué, donc voilà, si ça existe. Si on doit le faire ça, en fait, du coup, on va retarder encore notre voyage, ouais. Et on n'en a pas envie. On veut faire des trucs, voilà, c'est la dernière ligne droite, donc il y avait des choses qui étaient prévues dans la cabine du camion. On voulait aménager des tablettes pour les filles, là, pour qu'elles puissent dessiner, s'occuper pendant le voyage. Voilà. Vous voulez changer l'autoradio parce que voilà, on a un collector. Si vous avez des cassettes, donc n'hésitez pas à nous en envoyer parce que de toute façon, on va le laisser comme ça pour l'instant. Et l'objectif, en fait, c'est qu'on va faire un premier périple en Espagne. On n'a pas encore défini l'itinéraire, mais l'idée, c'est que voilà, on fasse un tour principalement dans le sud de l'Espagne parce qu'on ne connaît pas. Et qu'ensuite, on remonte en France aux vacances de Pâques, si tout se passe bien. Pour corriger les petites problématiques qu'on va rencontrer. S'il y en a. Ouais, il y en aura forcément, parce que ça ne se passe jamais comme qu'est-ce prévu. Que négatif. C'est pas d'être négatif, mais il y a toujours un petit truc. Donc, de toute façon, on doit remonter en France pour les vacances de Pâques.
C'est ça. Voilà, donc on mettra à jour tout ça, peut-être qu'on fera des évolutions, bon voilà, ça avance. C'est prévu qu'ensuite, dans la foulée, là, on enchaîne sur, vu que la cabine est propre, je pense qu'on fera rien de plus. On va certainement, je vais essayer de finir le châssis, c'est-à-dire j'ai le pare-choc avec les feux à remonter, enfin du moins j'ai fait faire un nouveau pare-choc parce que celui que, d'origine quand on a acheté, il était tout défoncé, tout rouillé. Donc on a fait refaire un pare-choc en galva, donc il faut que je le perce, que je monte tous les feux, que je peigne l'attelage parce qu'on a fait modifier l'attelage aussi, vu qu'il était trop haut, on l'a descendu de 12 cm. Pour pouvoir s'aligner avec l'attelage de la Tiny. Donc on espère que tout ça va bien s'aligner. On a une petite marge de 2 cm parce qu'on a fait un autre réglage. Voilà. Bon, on vous montrera tout ça dans les prochaines vidéos. La peinture de la caisse aussi à l'intérieur. Oui, la peinture de la caisse. Ça, c'est l'aménagement de la caisse. Mais ouais. Sur l'extérieur, j'ai les petits feux de gabarit à remettre en place. J'ai le câblage électrique à finir. Enfin bref, il y a du boulot quoi. Je pense que... Il y a de fortes chances que j'y consacre une bonne partie de la semaine prochaine et qu'ensuite on enchaîne sur l'aménagement du simpliste de la caisse. Voilà, donc du coup les vidéos, je pense qu'il n'y en aura plus tous les deux jours puisque ça va prendre un petit peu plus de temps pour faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura pas qu'une seule vidéo par semaine. Voilà. Pouvoir en faire deux sans problème parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a des finitions à faire dans la Tiny, c'est pareil, hein, vu qu'on espère tenir l'objectif de début mars pour partir, c'est pas vital, donc il y a de fortes chances qu'on parte comme ça. Il y a quelques trucs à sécuriser sur les fixations parce que voilà, il y a des objets qui pour l'instant si on roule, ils tombent, hein. Donc il y a cette petite... modification à apporter, enfin évolution à apporter, et puis après normalement dans d'ici 15 jours grand maximum 3 semaines j'espère qu'on pourra tourner la clé et partir et commencer à découvrir la vie de cette manière là ça va être quelque chose. Alors moi je vais travailler sur l'itinéraire, donc je vous mettrai ça sur Instagram et Facebook, je pense plus en story qu'en post. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, je vais faire un itinéraire quand même assez tout vite. Donc quand je dis assez tout vite, c'est rapidement, je vais le mettre en ligne. Puis voilà, n'hésitez pas à nous dire, de venir vous faire coucou si vous êtes dans le coin, si vous avez des propositions à nous faire, on est preneurs. Donc sur ce, on va vous laisser. Du boulot. Voilà. On vous dit la semaine prochaine parce qu'on est dimanche. C'est donc, ça. La semaine prochaine, rendez-vous certainement mercredi là du coup. Oui. Voilà. Portez-vous bien. À la prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.